raconter des modèles économiques, des modèles d'entreprise qui ont fait que on arrivait à produire à des coûts complètement différents, en masse également, qui donnaient avec la possibilité à n'importe qui d'acheter nos produits. Donc on a créé comme ça une économie de l'offre. Cette économie de l'offre, c'est très simple, si on produit, il y aura toujours quelqu'un pour acheter. C'est pas compliqué. Les décennies ont passé, et puis l'économie a changé. Il y a eu quelques événements sur le XXe siècle qui sont arrivés, qui ont fait des guerres en l'occurrence. Mais globalement, à peu près sur la deuxième moitié de ce XXe siècle, on a vu un changement de l'économie totale qui a fait que ces gros mastodontes, parfois multinationaux, qui ont grossi pendant des décennies et des décennies, se sont retrouvés sur un marché où il ne suffisait plus de produire pour vendre, mais il fallait aller chercher le client.